Et bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une information qui m'a l'air très importante à mes yeux et qui concerne encore une fois Rockstar. Donc c'est pas une information de DLC, mais dans tous les cas vous l'avez bien vu dans le titre, Rockstar ne veut plus de glitch sur GTA Online. C'est vraiment assez intéressant et assez important de parler de cela. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé à peu près hier. Donc hier à 18h30, 19h, des Américains ont tout simplement sorti un glitch d'argent illimité solo sur YouTube. Je m'apprêtais à le réaliser et à le dire que c'était eux qui l'avaient trouvé. Et tout simplement quand j'ai fait ce glitch, ce glitch était déjà patché 30 secondes après que la vidéo soit sortie. Donc cela prouve que Rockstar ne veut plus de glitch sur GTA 5 Online. Il ne reste plus qu'un glitch d'argent à l'heure actuelle, hein. Un seul glitch très rapide. La 1.16 arrive très rapidement, elle arrive même déjà mardi pour ceux qui ne seraient pas au courant. Du coup c'est assez chaud. La 1.16, je vais pas vous le cacher, mais je la redoute, hein. Ça va être très 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 dur de trouver un glitch d'argent. Même si on en a trouvé beaucoup, ça va être très très dur. Rockstar a vraiment tout patché. Ils sont vraiment énervés à peu près, parce que à chaque fois qu'on fait des glitches, faut le savoir, ils perdent de l'argent, parce que à la base si l'argent on peut pas se la faire avec l'activité et qu'on veut en avoir un peu plus, on doit normalement acheter leurs trucs sur le marché Xbox Game ou le PS Store, alors que nous on utilise des glitches, c'est pas légal, faut le savoir. Mais Rockstar en a un peu marre de cela. La 1.16 arrive très rapidement, elle arrive mardi comme je l'ai dit. Donc pourquoi elle arrivera mardi? Tout simplement parce que Rockstar a dit que le DLC serait supprimé dans moins d'une semaine, c'est-à-dire le mardi prochain. Et pour supprimer le DLC, il vous faudra tout simplement avoir une mise à jour. Donc du coup la mise à jour 1.16 arrivera. Alors pourquoi ils l'ont reculé, je ne sais pas. Mais ça me paraît un peu louche. Peut-être à cause des glitches, peut-être à cause de la mise à jour, peut-être à cause du DLC, je ne sais pas. Mais en tout cas, Rockstar est vraiment un peu énervé de tous ces glitches, etc. Ils en ont un peu marre de tout patcher. Donc du coup, ils font des patchs avec des micro-mises à jour. Ils se font plus chier à créer de grosses mises à jour et à nous les offrir tous les mardis. Ils font des micro-mises à jour et comme ça, ils patchent un peu le tout. Donc il reste un seul glitch d'argent pour le moment. Je vous conseille de le faire, il est sur ma chaîne. Je l'ai posté hier soir. Avant-hier soir plutôt, mais je vous conseille de le faire un minimum, et comme ça vous allez vous faire de l'argent, et comme ça Rockstar, quand ils patcheront les glitches, vous aurez un minimum de fric. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette information. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, elle est assez importante à mes yeux. Je pense que Rockstar en a un peu marre, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça que vous avez pu voir un peu le ralentissement des glitches sur ma chaîne, étant donné que je n'en trouve plus. Rockstar a vraiment tout patché, je n'en trouve plus. Venger et moi on est sur le pied de guerre pour essayer d'en trouver, mais on ne trouve absolument rien, que ce soit des glitches de duplication, des glitches d'argent, des glitches de fun ou même d'autres trucs. Rockstar a vraiment tout patché. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao, bye bye tout le monde.